très rapidement, etc. Donc, vous êtes biologiste, actuellement, alors, professeur à Saclay. Chercheur CNRS. Chercheur CNRS Saclay. Voilà. Dans une unité qui s'occupe d'évolution, que tous les biologistes dans la salle connaissent, mais pas nous. Donc, votre. Si j'ai bien saisi, vous avez des domaines de prédilection, champignons, plantes, rapport entre champignons et plantes, et rapport entre champignons, plantes et toutes sortes d'autres êtres vivants. Surtout la dynamique évolutive. Voilà. Et donc, pas seulement sur l'évolution à l'intérieur d'une famille ou d'une espèce, mais coévolution, toutes sortes de choses. Et je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais dire des bêtises. Aujourd'hui, je vais vous parler plus globalement, pas spécialement avec projet de recherche, mais donc sur les points de bascule et en particulier les relations entre biodiversité et climat et donc les causes et les conséquences pour les sociétés humaines. Donc, je vais commencer par. Définir brièvement qu'est-ce que la biodiversité. Comment elle évolue, comment elle se forme, qui est essentiel pour comprendre comment elle se maintient. Et vous expliquer ce qu'on sait actuellement sur l'effondrement actuel de la biodiversité et qu'est-ce que ça a comme conséquence pour les sociétés humaines et quelles solutions on peut envisager si on veut contrer ces conséquences. Donc la biodiversité, souvent on en a une image un peu d'épinal. Quand on pense biodiversité, on imagine des beaux animaux charismatiques, quelques lions, quelques tigres, si on a de la chance, quelques jolies plantes. Et donc on va voir, j'essaie de vous expliquer rapidement que c'est une vision absolument fausse de ce que c'est que la biodiversité. Il ne faut surtout pas avoir la biodiversité comme ça, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une vision extrêmement statique de la biodiversité, alors que l'aspect le plus fondamental de la biodiversité, c'est que c'est un aspect dynamique. Et on ne voit pas toutes les interactions entre espèces, hein, on voit une collection de timbres un peu avec les espèces les unes à côté des autres, alors que ce qui est aussi essentiel dans le maintien et l'utilité de la biodiversité pour les sociétés humaines, c'est leurs interactions et leur fonctionnement global dans les écosystèmes. Donc la biodiversité, une meilleure façon de le voir déjà, c'est d'un aspect évolutif, temporel, avec l'art de la vie. Hein, vous avez... depuis qu'on a accès à l'ADN, ça a un peu révolutionné notre vision de ce que c'est que la biodiversité. Et donc c'est l'arbre du vivant avec une représentation de toutes les lignées qui existent actuellement sur Terre. Et donc une des premières surprises quand on a eu accès à l'ADN, c'est qu'il y avait en fait deux grands domaines de bactéries, hein, qu'on a appelé les bactéries et les archébactéries, bien qu'elles en fait, elles soient pas du tout archaïques, et ce qu'on appelle les eucaryotes, avec une toute petite lignée qui sont les plantes, une toute petite lignée qui sont les animaux. Et vous voyez que les champignons sont beaucoup plus proches des animaux que des plantes. Et tout le reste, c'est des micro-organismes. Donc ce qu'on imagine d'habitude la biodiversité, hein, c'est vraiment juste deux petits rameaux finaux dans l'arbre du vivant et qui ont... on se représente comme ça, mais non seulement historiquement, avec des lignées évolutives, c'est très minoritaire, c'est aussi très minoritaire en biomasse, et c'est aussi très minoritaire en termes de fonctionnement des écosystèmes. Une autre vision qu'on peut imaginer de la biodiversité, ça va être, là vous avez les organismes qui sont représentés à la taille du nombre d'espèces décrites par la science dans ces groupes. Donc on voit qu'il y a énormément plus d'espèces d'insectes décrites que de quoi que ce soit d'autre. Alors évidemment, c'est plus intéressant et facile de décrire des espèces d'insectes que des espèces de bactéries. Donc il y a probablement, si on peut arriver à définir des espèces de bactéries, beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, par rapport aux autres animaux, c'est très dominant. Les plantes, les champignons aussi, hein, donc il y a beaucoup d'espèces, bien que ce soit sûrement très sous-évalué, parce qu'ils sont aussi assez difficiles à décrire. Si on présente maintenant en termes de biomasse sur la planète, hein, on voit que c'est les plantes hein, qui pèsent le plus lourd. On voit que les animaux représentent une biomasse absolument ridicule. Et même parmi les animaux, hein, les mammifères représentent également une biomasse très minoritaire. Et on voit que les animaux sauvages représentent pratiquement rien, ne serait-ce que par rapport aux humains ou aux animaux domestiqués. Donc ça donne aussi une autre vision de ce que c'est que vraiment la biodiversité sur Terre.
Donc ça, c'est en termes de nombre d'espèces, c'est aussi une vision qu'on a souvent de la biodiversité. Mais c'est vraiment essentiel aussi de se rendre compte que ce qui est essentiel dans cet aspect qu'on va voir, la dynamique du vivant et de la biodiversité, c'est aussi la diversité au sein des espèces. Donc un exemple qui est assez connu, c'est le chien. L'homme a domestiqué le loup gris, hein, c'est le premier être vivant qu'on a domestiqué il y a à peu près 20 000 ans. Et on a généré une diversité de races de chiens extraordinaires, mais tout ça c'est la même espèce latine, hein. Canis lupus, c'est le même nom latin et le même nom que le loup gris. Et donc on voit que si on voulait conserver l'espèce Canis lupus et qu'on garde que les bulldogs, on aura perdu énormément de diversité fonctionnelle. Et c'est pareil dans les espèces sauvages, il y a énormément de diversité au sein des espèces et qui sont adaptées à des milieux différents. Et donc si on dit on veut conserver une espèce, ça ne veut rien dire en soi. Il y a une diversité génétique énorme qui leur permet une adaptation à différents milieux et surtout une adaptation qui leur permet une adaptation tout court. Donc, chez les espèces sauvages, hein, par exemple, chez le tigre, il y avait 6 sous-espèces de tigres. Il y en a déjà 3 qui ont disparu, qui étaient adaptées à des milieux spécifiques. Donc on peut dire que le tigre existe toujours, mais on a déjà éteint une diversité fonctionnelle énorme. Donc chez l'homme aussi, hein, on se rend bien compte de la diversité génétique et fonctionnelle qui existe, qui sont des adaptations à des milieux différents. Hein. La couleur de la peau, c'est une adaptation aux UV, au trop plein d'UV. Il y a des adaptations à l'altitude, il y a des adaptations à l'apnée. Il y a plein de diversité génétique et fonctionnelle. Et donc ça aussi, ça fait partie de la biodiversité qui est essentielle. Donc si on veut considérer la biodiversité... Donc comment elle est générée, comment elle se maintient. Donc il faut considérer toute cette diversité à la fois intra-espèce et inter-espèce. Et donc c'est Darwin, hein, on s'appuie sur la théorie de Charles Darwin, publiée en 1859, l'origine des espèces. Et donc son idée, hein, c'était que c'était une descendance avec modification. Donc ça c'est la seule figure qu'il y a dans le livre de Darwin, où on voit le temps du haut en bas avec des lignées qui se diversifient. Et donc à chaque pas de temps, on voit qu'il y a une diversification, des extinctions. Certaines, quand elles sont plus éloignées, elles sont moins en compétition, donc elles arrivent à se maintenir, à se diversifier. C'est vraiment intéressant, cette seule figure qu'il y avait dans l'arbre de Darwin, et qui est en fait la meilleure vision de la biodiversité. C'est-à-dire que c'est quelque chose de dynamique. Alors, si on veut penser à la biodiversité et la maintenir, on ne peut pas juste conserver des espèces dans des zoos, dans des parcs, dans des banques de graines. La biodiversité, c'est quelque chose de dynamique qui évolue et qui a besoin d'évoluer pour s'adapter aux conditions environnementales, surtout quand elles changent très vite. Et donc, il faut garder cette dynamique. Il y a toujours des extinctions, des diversifications. Et c'est cette dynamique qui est importante pour le maintien global de la diversité. Pas de maintenir telle ou telle espèce et de façon fixe et congelée, et en dehors des autres, en dehors d'un écosystème. C'est maintenir plein d'interactions et la dynamique de la biodiversité. Donc il faut vraiment se rendre compte que la biodiversité, ce n'est pas un équilibre stable. Hein, vous savez tous ici, j'imagine, ce que c'est qu'un équilibre stable. Hein, quand on bouge la bille, elle revient au milieu. Mais la biodiversité, ce n'est pas non plus un équilibre instable. Hein, on peut perturber un peu les écosystèmes. On voit qu'ils se maintiennent quand même. Ils arrivent à revenir à leur équilibre. La biodiversité, c'est vraiment un équilibre dynamique. C'est-à-dire qu'elle se maintient parce qu'elle évolue, parce qu'elle s'adapte, parce qu'elle avance. Comme quand on roule en vélo, hein, on maintient en équilibre parce qu'on roule, parce qu'on avance. Et donc, il faut vraiment se rendre compte que la biodiversité, c'est exactement ça, c'est un équilibre dynamique. Donc on peut perturber un peu, ça se maintient parce que c'est capable de s'adapter, parce que ça a de la diversité génétique à l'intérieur. Hein. Darwin a aussi bien montré que la diversité génétique était essentielle à l'adaptation, puisque la sélection naturelle, c'est un tri parmi la variation qui existe. Donc si vous n'avez pas de variation, vous n'avez pas d'adaptation, il faut de la diversité génétique et pour permettre cet équilibre dynamique. Et donc l'équilibre dynamique, hein, il se maintient quand on bouge un peu, mais il y a des points de bascule. Il peut quand même y avoir des trop fortes perturbations qui fait que tout collapse et tout s'écroule. Et donc c'est ce qu'on a l'impression qui est en train de se produire. Hein. Il y a plein d'indicateurs, tous les indicateurs sont en rouge sur l'effondrement global de la biodiversité. Donc vous connaissez sûrement l'IPBES, la plateforme intergouvernementale, qui est un peu l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, et qui fait des synthèses de la bibliographie scientifique sur l'état de la biodiversité. Donc là vous avez les espèces qui sont
plus ou moins en danger, hein, plus ou moins rouge suivant les groupes. Donc on peut se dire, oui, à part peut-être sur les coraux et les amphibiens, chez la plupart des autres groupes, il y a l'air d'avoir encore trop de rouge, ça a l'air d'aller encore à peu près. Le problème, c'est le taux à laquelle les espèces deviennent en danger, qui s'accélère énormément et qui devient exponentiel. Là, vous avez le pourcentage d'espèces disparues, donc on peut dire que le pourcentage n'est pas encore trop grave, mais on voit que ça s'accélère dans tous les groupes et de façon assez alarmante. Donc un exemple classique, on cite sur les insectes, un groupe les plus en danger et qui s'effondre, il y a un effondrement global des populations. On se souvient, dans les années 70, on pouvait rouler en voiture sur l'autoroute pendant des heures, on avait le pare-brise complètement recouvert d'insectes, on devait le laver régulièrement. Aujourd'hui, on peut faire des centaines de kilomètres sans aucun problème, il n'y a plus d'insectes. Les populations d'insectes sont effondrées. Et même dans les milieux naturels, hein, donc il y a des études qui montrent de plus en plus souvent, et là c'est cette étude en Allemagne, dans des zones pourtant protégées, donc c'était un suivi sur 30 ans très régulier des populations d'insectes, et il y a moins de 3/4 des insectes. Il y a un effondrement global de la biomasse des insectes. Et ça a plein de répercussions, en particulier sur les oiseaux insectivores. Donc il y a un programme au Muséum d'Histoire Naturelle, le suivi temporel des oiseaux communs, qui répertorie dans toute la France avec des points d'écoute par des volontaires très régulièrement des espèces d'oiseaux. Et il y a un effondrement global aussi de toutes les espèces d'oiseaux, et en particulier celles qui sont inféodées au milieu agricole. Il y a quelques espèces, hein, comme le pilon, qui au contraire augmente parce qu'elles sont inféodées au milieu humain. Mais pareil, la plupart des oiseaux s'effondrent. Les populations d'oiseaux s'effondrent dramatiquement, et en particulier celles inféodées à des milieux spécialisés, et en particulier agricoles. Donc ce n'est pas seulement une disparition des espèces, hein, c'est le taux à laquelle elles disparaissent, et l'effondrement global des populations. C'est-à-dire que même si la linotte elle existe toujours, il reste 10% de sa population, et donc elle ne va pas se maintenir longtemps. Il y a eu 5 grandes extinctions de masse, hein, dont la dernière au Crétacé qui a vu disparaître les dinosaures, où 3/4 des espèces sur Terre ont disparu. Bah, si on regarde les taux d'extinction actuels, ils sont plus grands que les taux d'extinction au Crétacé. On peut imaginer que ça va être pire. Donc, pareil, les PBS ont répertorié les vitesses d'extinction, et si on les compare à celles du Crétacé, donc on voit que les vitesses d'extinction des oiseaux, par exemple, c'est 103 fois plus que celle du Crétacé. Les batraciens sont spécialement en danger à cause d'un champignon envahissant qui est en train de décimer toutes les espèces à travers la planète. Alors on peut se dire, vous avez dit, les espèces, il y a toujours eu des extinctions d'espèces, après le Crétacé, elles se sont régénérées, mais les temps, c'est pas du tout les échelles humaines. Hein. Si on estime qu'au taux actuel, les espèces qui vont disparaître dans les 5 prochaines décennies, il faudrait 3 à 5 millions d'années pour qu'elles se régénèrent par évolution naturelle. Donc oui, elles se régénéreront si l'espèce humaine disparaît, mais ça va prendre des millions d'années. Et s'il reste les habitats naturels pour leur permettre d'évoluer et de s'adapter. Donc il y a globalement un effondrement de la biodiversité sur toute la planète. Alors quelles sont les causes? Donc évidemment, vous pensez au dérèglement climatique, c'est en grande partie le cas, mais ce n'est pas encore la cause majeure. Ça risque de le devenir rapidement, mais pour l'instant, ce n'est pas la première cause. Mais ça fait quand même des gros dégâts. Donc on peut essayer de projeter un peu, vous savez qu'il y a des modèles de projection des températures, etc., suivant différents scénarios, à certaines échéances, si ça augmente de 1,5, 2 degrés ou 3 degrés, et puis on peut... Étant donné ce qu'on connaît de la distribution des espèces, par exemple ce plongeon marin, actuellement qu'est-ce qu'il lui faut comme température, humidité pour survivre, etc., on peut projeter à plus 1,5 degré où est-ce qu'il va se déplacer. Donc en vert, c'est là où il n'est pas encore et il va migrer, et en rouge, c'est là où il disparaît. Et sur plusieurs scénarios du GIEC, on peut projeter des distributions et voir suivant certaines espèces, mais. Là, c'est regarder juste l'espèce toute seule isoler son écosystème. Et donc on voit qu'à 3 degrés, il reste une toute petite région. Pour d'autres espèces, c'est encore pire. Hein, l'érable champêtre dans les Alpes, par exemple, si on prend sa distribution actuelle et sa distribution projetée sur un des scénarios les plus modérés de changement climatique, donc il resterait quand même une toute petite partie dans le nord des Alpes.
ça, ça a été fait par des chercheurs de Grenoble sur un grand nombre d'espèces de plantes en projetant comme ça des scénarios climatiques. Et donc, ils ont estimé qu'on perdrait, par exemple, sur un scénario assez modéré, plus de 60% des espèces de plantes en montagne en particulier, parce qu'elles ne peuvent pas migrer. Elles peuvent monter en altitude, mais il y a une limite, évidemment. Et donc, au niveau des changements climatiques, hein, chaque demi-degré ou dizaine de degrés compte pour les espèces. Hein. On estime par exemple qu'à plus 1,5 degré, où on est déjà, 4% des mammifères perdent la moitié de leur espace naturel, alors qu'à 3 degrés, c'est 41% des mammifères qui perdent la moitié de leur habitat naturel. Pour les coraux, c'est encore pire. Hein. À plus de degrés, il n'y a aucun qui arrive à résister. Et on voit, les forestiers qui suivent un peu l'état des forêts, voient qu'elles sont toutes en train de dépérir déjà, avec par exemple l'année dernière une hausse de mortalité de 80% des arbres déjà, avec la sécheresse cumulée, des champignons envahissants. Et donc c'est pas seulement globalement la température qui change, hein, vous savez, c'est tous les événements extrêmes, plus d'inondations, plus d'incendies, plus des périodes de sécheresse extrême, des tempêtes, des gels tardifs et précoces. Et surtout, globalement, pour l'instant, souvent les scénarios, ils regardent une espèce comme le plongeon marin ou l'érable champêtre. Le problème, c'est qu'une espèce, elle ne survit pas toute seule dans son écosystème. Donc là, par exemple, il a des herbivores, il a des prédateurs d'herbivores qui le soulagent un peu, il a des animaux qui dispersent ses graines, il a des champignons symbiotiques qui vont lui chercher des nutriments dans le sol sans lesquels il ne peut pas pousser, il a des champignons qui décomposent les arbres morts pour lui permettre de recycler la matière organique, il a des pollinisateurs, il y a des oiseaux qui servent en abri, et donc, même s'il y a une espèce qui se déplace un peu, bah, peut-être que son pollinisateur ne pourra pas se déplacer de la même façon, son champignon symbiotique ne pourra pas se déplacer de la même façon, et tout ça, ça accumule les risques et les effets des dérèglements climatiques. Comme on disait avant, hein, c'est un effet d'interaction globale dans un écosystème. Un autre problème aussi spécifique du dérèglement climatique, hein, c'est qu'on sait que ça va faire augmenter le niveau des la mer, des océans. Or, souvent, les points chauds de biodiversité, hein, ici en rouge, c'est-à-dire les endroits où il y a des zones extrêmement riches en biodiversité, des espèces endémiques qui existent nulle part ailleurs, ben, elles sont principalement sur les îles et près des côtes. Et donc, c'est des endroits qui risquent de disparaître parmi les premiers. Alors, actuellement, donc ça, c'est le dérèglement climatique. Pour l'instant, l'IPES considère que c'était la destruction d'habitats naturels qui était la première cause d'effondrement de la biodiversité. Donc, effectivement, là, si vous déforestez 60% de l'Amazonie, toutes les espèces endémiques qui existent là-bas, et il y en a beaucoup, disparaissent complètement, qu'elles n'ont plus leurs habitats, leur nourriture, etc. Donc, c'est vrai pour les forêts, c'est vrai pour les systèmes d'eau douce, par exemple. Hein, la mer d'Aral, qui était le plus grand lac d'eau douce, a presque complètement disparu parce qu'il a été détourné pour irriguer, plus sur le dérèglement climatique. Une autre cause d'effondrement de la biodiversité, c'est la surexploitation, en particulier en milieu marin. Hein, on est en train de vider complètement les océans et les mers de toute vie à force de surexploitation, qui a des conséquences en chaîne. Par exemple, les oiseaux de mer en Islande, pourtant il n'y a pas beaucoup de destruction d'habitat, mais il y a pratiquement les oiseaux de mer aussi sont en train de s'effondrer parce qu'ils n'arrivent plus à se nourrir, il n'y a plus assez de poissons dans l'océan. Une autre cause de l'effondrement de la biodiversité qui est un peu moins connue, c'est les espèces exotiques envahissantes. Par exemple, parmi les premières espèces envahissantes, c'était les rats et les serpents qui étaient dans les cales des bateaux, qui débarquaient dans les îles. Sur les îles, il y a des espèces endémiques qui existent nulle part ailleurs parce qu'elles ont évolué spécifiquement là. Et elles sont, en général, elles n'ont pas évolué de défense contre des prédateurs puisqu'il n'y a pas trop de prédateurs sur les îles. Et donc, elles sont très sensibles à des rats ou des serpents qui débarquent pour manger leurs œufs. Et effectivement, hein, sur l'île de Guam, par exemple, il y a un serpent qui a décimé la moitié des espèces d'oiseaux endémiques. Il y a les chats qui font beaucoup de dégâts, les chats retournés à l'état sauvage. Là, vous avez l'exemple de la perche du Nil qu'on a mis cette fois intentionnellement dans un lac pour nourrir les populations humaines et qui a fait disparaître toutes les espèces endémiques des poissons pratiquement de cyclidés. Là, vous avez l'algue Colerpa qui s'est échappée de l'aquarium de Monaco et qui est en train d'envahir et empêcher les herbiers à Posidonie de pousser.
Il y a aussi beaucoup de pathogènes envahissants. Hein. Le chancre du châtaignier, par exemple, c'est un champignon qui a envahi d'Asie en Amérique du Nord et qui a complètement éradiqué le châtaignier d'Amérique du Nord. Et en ce moment, il y a de plus en plus de champignons pathogènes qui se répandent et qui, par exemple, il y a un phytophthora qui est très généraliste, donc qui peut tuer beaucoup d'espèces d'arbres. Et donc, ils sont assez paniqués en Australie, par exemple. Hein. Vous ne pouvez pas même aller en forêt vous promener sans vous désinfecter complètement. Vous ne pouvez pas ramener du bois en sortie de la terre, du bois, parce qu'ils ont peur que ça se répande à d'autres forêts. Et même les animaux donc, sont menacés. Vous avez donc, sur les batraciens ce champignon qui cause la chytridiomycose et qui, pareil, est très généraliste. Et donc, il a déjà fait éteindre 120 espèces d'amphibiens et il y en a 500 autres menacées. Et c'est un clone qui est en train d'envahir la planète extrêmement rapidement. Alors, une autre cause essentielle, et surtout dans nos régions, d'effondrement de la biodiversité, ben, c'est toute la pollution. Hein. On est en train d'empoisonner tous les sols et toute l'eau et tout pour le vivant. Hein. Tous les pesticides qu'on répand, ben, c'est des produits qui sont faits pour tuer. Et ils tuent très efficacement et pas distinctement. Ils tuent non seulement les ravageurs qu'on veut éradiquer, mais les pollinisateurs, tous les insectes, les micro-organismes du sol. Les terres deviennent infertiles, sont, il n'y a plus de vie dans les terres à cause de l'intensification et en particulier des insecticides. Donc c'est une des causes majeures du déclin des insectes actuellement, de l'effondrement des insectes. Et même dans les zones protégées, parce que ben, les nappes phréatiques sont complètement contaminées, tous les sols sont contaminés, même dans les zones qui ne sont pas directement. Alors pourquoi, qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans au niveau des pesticides? C'est qu'avant, on faisait des traitements quand il y avait une maladie, pour soigner la maladie. Maintenant, pour avoir moins de travail, en fait, on plante des graines qui sont enrobées d'insecticides pour que la plante l'absorbe quand elle pousse. C'est systémique et donc elle est toxique pendant toute sa vie contre tous les insectes, mais y compris les pollinisateurs. Et surtout, il y a 70% en fait de l'insecticide qui part dans les sols et tout le temps, c'est planté comme ça. Et les oiseaux mangent les graines dans les champs qui sont enrobées d'insecticides. Et c'est des poisons, c'est fait pour tuer, c'est toxique pour tous les organismes vivants. Alors on fait des tests pour homologuer ces insecticides et ces tests, c'est des tests de toxicité aiguë. C'est-à-dire qu'on on met une grosse dose sur un insecte et on regarde s'il a survie. Le problème c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est qu'elle en mange pendant toute sa vie, en petite dose, mais pendant toute sa vie. C'est comme si on dit fumez 10 paquets de cigarettes d'un coup, vous n'allez pas être bien, mais vous n'allez pas mourir. N'empêche que si vous fumez toute votre vie, vous avez 50% de chance de mourir du tabac. C'est pareil pour les insectes. Donc il y a l'EFSA qui a essayé de faire des tests hein, pour voir si on pouvait mettre en place des tests de toxicité chronique. Et avec ces tests-là, on devrait interdire 80% des herbicides, 75% des fongicides, 92% des insecticides, parce qu'ils sont trop toxiques. Et donc leur conclusion a été, on ne peut pas faire ces tests, sinon on interdit tout. Ben oui, ça tue tout. Et donc en particulier, hein, le glyphosate est absolument toxique et il y a des papiers déclassifiés hein, de la firme de Monsanto qui montrent qu'ils le savaient très bien. Donc ils ont été accusés d'écocide, en particulier à cause du glyphosate et poursuivis devant le tribunal international de la Haye. En particulier pour le glyphosate, mais aussi parce que, vous savez, c'est eux qui avaient aussi produit l'herbicide qui était répandu au Vietnam. Donc l'agent orange qui était pour éviter qu'il y ait des gens qui se cachent et qui se nourrissent, ils ont répandu des quantités, l'armée américaine a répandu des quantités énormes de l'agent orange qui sont encore dans les sols. Et maintenant c'est encore la troisième génération là-bas de gens qui meurent avec qui naissent avec plein de malformations à cause de cet agent orange qui reste dans les sols depuis la guerre du Vietnam. Ils ont été accusés d'écocide, hein, donc ça c'est une nouvelle notion qui est adoptée par très peu de pays encore, donc en Vietnam. En Nouvelle-Zélande, ils viennent d'adopter une loi de protection où on peut accuser d'écocide. En France, ça a été proposé en 2017 par la Convention citoyenne que ce terme d'écocide et cette notion d'écocide rentre dans la loi française. Donc ça n'a pas été intégré dans la loi française, ça a été intégré seulement comme délit et pas comme crime, ce qui réduit beaucoup les peines encourues. Mais c'est vraiment des écocides d'empoisonner tout le vivant.
qui a des conséquences énormes. Alors on peut se dire, bon, ok, la biodiversité s'effondre, ça va pas s'arranger, mais bon, l'essentiel c'est quand même que les populations humaines aillent bien, qu'on arrive à les nourrir. Quelle est l'importance pour les populations humaines de la biodiversité? Est-ce qu'il suffit qu'on ait quelques espèces de légumes, des vaches et des poulets pour arriver au bien-être des populations humaines? Il y a plein de chercheurs qui travaillent depuis longtemps sur ces questions-là, ils sont arrivés à la notion de service écosystémique, c'est-à-dire quel service on tient de la biodiversité. Et donc ils ont classifié ces services, c'est-à-dire ce qu'on tire de la biodiversité en plusieurs catégories. Donc il y a les ressources génétiques et pharmacologiques, il y a plein de produits, de molécules qu'on tire de la nature, qu'on ne sait pas inventer de rien. On a parlé des antibiotiques tout à l'heure, hein, c'est les champignons, les pénicilliums par exemple, qui produisent des toxines pour lutter contre leurs compétiteurs. Donc la première antibiotique découverte, c'est la pénicilline, qui a été découverte par hasard, hein, sur une boîte de pétri, parce qu'il y avait un contaminant champignon qui tuait toutes les bactéries autour. Et donc Alexander Fleming, au lieu de jeter sa boîte, a étudié cette toxine. On découvre régulièrement dans des plantes des nouveaux médicaments, dans des venins, c'est très riche en molécules actives évidemment. Donc on fait plein de nouveaux médicaments tout le temps à partir de la nature et on en découvre tous les ans. Et donc on ne sait pas de quoi on aura besoin demain et quelles nouvelles molécules indispensables à une nouvelle pandémie, puisqu'on sait que les bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques qu'on connaît. Un service écosystémique vraiment essentiel, donc on commence à connaître, c'est la pollinisation, hein, c'est le fait que les insectes transportent le pollen des fleurs mâles vers les fleurs femelles, ce qui est indispensable pour la production de graines, pour 70% de nos cultures, mais aussi pour les plantes sauvages. Aux États-Unis, par exemple, les populations de pollinisateurs s'effondrent tellement qu'ils sont obligés d'élever des ruches et de les transporter à l'autre bout des États-Unis régulièrement pour leur culture d'amandier, et ça ne suffit plus, hein, elles meurent à un rythme tel que ça suffit plus. Il y a des régions en Chine où ils sont obligés de polliniser à la main les arbres fruitiers parce qu'il n'y a pas assez d'insectes. Donc là, on voit un état actuel dans un supermarché. Et ce qu'on aurait s'il n'y avait plus de pollinisateurs, on dépend absolument des pollinisateurs pour la plupart de nos cultures. Il y a aussi plein d'autres services encore plus globaux et indispensables, comme le recyclage de la matière organique ou la fertilité des sols. Hein. Les sols ne sont pas fertiles s'il n'y a pas de décomposition. La matière organique n'est pas redécomposée en minéraux essentiels. Et donc là, par exemple, la décomposition du bois mort, il n'y a que les champignons qui savent le faire. Il n'y a aucun organisme hôte vivant qui sait le faire. À Tchernobyl, par exemple, dans la zone très irradiée, il n'y a plus beaucoup de champignons, et donc le bois mort s'accumule, il n'y a plus rien qui décompose le bois mort, ça fait plus de feu, plus d'incendies, qui disperse la radioactivité, et c'est un effet de neige. Et donc, les champignons aussi, vous savez, hein, ils font des associations symbiotiques avec les arbres, et il y a 70% des arbres de nos forêts qui ne pourraient pas pousser sans champignons. Vous connaissez l'importance des vers de terre. Un autre exemple, c'est en Australie. On avait importé plein de bétail pour la nourriture humaine. Simplement, il n'y avait pas sur place les insectes décomposeurs des bouses de vache. Et donc, les bouses de vache s'accumulaient. Et ils ont été obligés d'importer chaque année des tonnes d'insectes d'Afrique pour décomposer les bouses de vache. Donc, il y a toute une importance de recyclage de la matière organique et de la biodiversité dont on ne se rend pas compte jusqu'à ce qu'elle manque. Il y a aussi plein de services écosystémiques en termes de régulation de l'eau. Donc souvent on parle d'inondation en relation au dérèglement climatique, mais ce n'est pas que le dérèglement climatique. C'est aussi parce qu'on a asséché toutes les zones humides qui avant faisaient une zone de tampon. Quand il y avait trop d'eau, ça capturait l'eau et ça relarguait en période de sécheresse. Donc c'est toutes ces zones de biodiversité très importantes qui ont disparu et qui accentuent le dérèglement climatique, les conséquences du dérèglement climatique. Aussi un énorme effet de stockage du CO2 du bois, des tourbières, du plancton. Hein, le plancton stocke la plupart du CO2 sur Terre. Les océans sont en train de se réchauffer à une vitesse effroyable qui tue aussi beaucoup d'êtres vivants et qui stocke CO2. Donc ça risque de faire effet de boule de neige et point de bascule. Donc, il y a aussi un service écosystémique qui est d'éviter l'érosion des sols, hein, avec les branches, les racines
des plantes. Il y a aussi un effet de un service écosystémique qui est la prévention des épidémies. Ça, c'est des choses qu'on sait très bien en écologie et en évolution. Hein. Quand vous plantez des milliers d'hectares du même génotype de blé, ou des milliers d'hectares du même génotype, exactement le même individu, Olivier, parce que vous arrivez à le cloner, à n'importe quelle bactérie qui arrive à s'adapter à cet individu, il dessine tout en un temps. Alors que si vous plantez de la diversité, si vous avez des haies, si vous avez des barrières, les épidémies sont beaucoup moins dommageables. Donc un autre type de valeur de la biodiversité mis en avant par le PVS, c'est la valeur esthétique et récréative, hein, le fait qu'on se sent beaucoup mieux quand on voit de l'eau, quand on voit des arbres, et que ça génère aussi beaucoup d'écotourisme de la biodiversité. Et donc il y a toute une branche aussi de l'écologie qui s'est intéressée à chiffrer, à mettre une valeur monétaire à ces services écosystémiques. Donc les évaluations, les services que nous rendent la biodiversité chaque année valent plus que le PIB mondial chaque année. Donc on n'a juste pas les moyens de se passer de la biodiversité. Et après on peut évidemment mettre une valeur intrinsèque à la vie et à la biodiversité. Donc, quelles solutions nous avons dit? Eh bien, oui, la biodiversité est essentielle. Il y a un fonctionnement des écosystèmes qu'on doit absolument protéger. On ne peut pas tout protéger. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on protège juste les espèces dont on a besoin? Où est-ce qu'on met les moyens? Qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, on ne sait pas de quelle espèce on aura besoin demain. On ne sait pas dans quelle espèce de plante. Il y a 2 ans, on a découvert en Polynésie française une petite plante qui avait l'air de rien et qui faisait un anti-inflammateur beaucoup plus puissant que tout ce qu'on connaissait. Peut-être qu'on découvrira des molécules pour la nouvelle pandémie. Donc déjà, on ne sait pas de quelle espèce on a besoin. On ne peut pas juste conserver les espèces dont on a besoin. Et surtout, c'est pas, comme je disais, les espèces, elles ne sont pas les unes à côté des autres dans un écosystème. Elles sont en interaction. Il y a des relations de prédation, des relations d'aide, de facilitation. L'une qui se nourrit de l'autre, l'autre qui recycle la matière organique. Tout est imbriqué dans un écosystème. Et donc, si on a besoin d'une espèce donnée, et qu'on fait tous les efforts pour conserver celle-là, mais qu'on ne s'occupe pas de celle avec qui elle interagit, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. C'est les écosystèmes, globalement, c'est la dynamique de l'écosystème qu'il faut conserver. Donc, un exemple assez connu, c'est ce qui passait dans le parc du Yellowstone, où le loup avait disparu, et on s'est aperçu que ça avait eu l'air d'entraîner une disparition de plantes qu'on essayait de protéger, des sols, et aussi des batraciens qui n'étaient plus là. Et on a réintroduit le loup dans le parc du Yellowstone, et ça a fait revenir les plantes et les batraciens. On peut se dire quel est le rapport entre l'un et l'autre. Alors là, c'est un système tout simple avec quelques espèces, mais en fait, quand le loup n'était plus là, il y avait plus de wapiti qui n'étaient pas mangés par le loup. Les wapiti mangeaient plus du sol, donc ils diminuaient. Du coup, il n'y avait plus de castors qui faisaient plus de barrages, et du coup, il n'y avait plus de lézards, de salamandres et de batraciens. Donc, il y a plein de conséquences en chaîne. Si une espèce disparaît dans un écosystème, c'est très difficile de savoir quelles conséquences ça aura sur plein d'autres espèces dans cet écosystème. Donc, on ne peut pas juste conserver les espèces dont on a besoin pour les services écosystémiques dont on a besoin. Et donc, c'est aussi une mauvaise image qu'on peut avoir de la biodiversité, hein, un petit peu comme une bibliothèque où chaque livre serait une espèce. Hein, si on perd quelques livres, c'est vraiment dommage, mais ce n'est pas très grave. Mais si on voit la biodiversité, ce n'est pas comme une bibliothèque, il faut plutôt le voir comme par exemple les rivets d'un avion, où chaque espèce serait un petit clou qui tient l'avion. Donc on peut perdre quelques clous, quelques rivets, l'avion tient toujours jusqu'au moment où c'est le point de bascule, on perd le rivet de trop et tout explose. Et les écosystèmes avec les espèces à l'intérieur, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne, où elles sont toutes en interaction, il y a un peu de redondance, donc on peut perdre quelques espèces jusqu'au moment où il y a des points de bascule et tout collapse. Donc ça, c'est par exemple connu sur les pollinisateurs. Donc là, vous avez le pourcentage de plantes qui sont pollinisées avec plein d'espèces dans le milieu, et là, le pourcentage d'espèces de pollinisateurs qui s'éteignent. Donc plus on a d'espèces de pollinisateurs qui s'éteignent, moins la pollinisation marche bien, mais c'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y a de la redondance, ça continue à bien marcher, puis tout d'un coup, il n'y a plus assez, et ça s'effondre tout d'un coup. Et là, on ne peut plus revenir en arrière, parce que là, les espèces ont disparu. Hein. C'est même presque pire que le climat, où on peut se dire, même s'il y a un peu de temps de latence, si on réduit les émissions de CO2, on peut peut-être revenir à l'état d'avant. Là, on ne peut pas, une fois que les espèces sont éteintes, on ne peut pas revenir à l'état d'avant. Ça a été démontré localement, cette chute-là. Donc par des modèles et par quelques études localement.
et donc on peut plus voir la biodiversité comme ce jeu, hein, de la tour en bois où on peut retirer quelques espèces, ça tient, jusqu'au jour où on retire l'espèce qui restait à tout faire tenir et tout collapse. Donc finalement, quelles sont les bonnes solutions? Donc c'est pas les banques de graines et les eaux, hein, donc vous connaissez peut-être cette initiative au Svalbard de retenir des millions de graines d'espèces différentes. Ça sert à quoi d'avoir des graines s'il n'y a plus les écosystèmes dans lesquels on peut les planter, il n'y a plus leurs pollinisateurs pour pousser, il y a très peu de diversité génétique, elles ne peuvent pas s'adapter, elles ne peuvent pas évoluer, elles n'auront pas adapté, elles n'auront pas coévolué avec leurs pathogènes. Ça ne sert à rien de conserver quelques espèces dont on a besoin hors de leur écosystème. Il faut voir la vie, la biodiversité comme une petite dynamique. On sait que conserver juste un couple de chaque espèce animale, ça ne suffit pas pour conserver la biodiversité. C'est un peu comme si nous-mêmes, hein, on est un équilibre dynamique. On ingère, on excrète. Et si on dit, je vais vous sauver, je vais vous congeler, non, ça ne vous sauvera pas. Il faut garder cet équilibre dynamique. C'est une vision qu'on doit avoir de la diversité, c'est une dynamique, un système complexe et pas une collection de timbres qu'on pourrait conserver. Alors, quelles solutions? Souvent on parle de solutions, et c'est le sens, j'imagine, la fin du discours dans solutions technologiques, mais effectivement, il y a cette outil moléculaire CRISPR-Cas9. On peut très finement modifier l'ADN. Donc il a été proposé, par exemple, il y a une société qui s'est montée américaine qui a levé 1 milliard d'euros de dollars pour déséteindre le mammouth et le dodo. Donc ils vont faire vraiment comme dans Jurassic Park, reprendre une espèce proche et mettre dans l'œuf l'ADN non dégradé qu'ils ont réussi à avoir. Et en disant même que ça va lutter contre le réchauffement climatique parce que compacter le permafrost. C'est pas une solution, et puis contre-productif parce que ça participe du déni du fait qu'il y a un problème, de se dire on aura toujours une solution, on pourra le déséteindre, mais on ne pourra pas le déséteindre. Des centaines d'espèces de champignons qui auront disparu et dont on n'aura même pas l'ADN, toutes les bactéries absolument essentielles dont on a besoin, les pollinisateurs, évidemment on ne pourra pas. Donc c'est pas une solution, et ces milliards de dollars, ils serviraient mieux à autre chose. Pour les nouveaux OGM, donc avec cette technique CRISPR-Cas9, on dit on va limiter les intrants en faisant des nouveaux OGM résistants aux insecticides, on va mettre des vaccins dans les bananes, on fait un riz doré qui a des vitamines. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, ces nouveaux OGM, c'est plus une menace qu'une solution, parce que déjà, ils réduisent énormément la diversité des cultures. Encore une fois, vous mettez un gène dans un génotype, vous allez planter un seul génotype sur des hectares. Évidemment, c'est pas viable. On sait en écologie, en évolution, que la moindre maladie qui s'adapte va tout détruire. Donc c'est la course perpétuelle. Et en plus, on a de l'expérience. On sait ce qui a été fait dans les pays qui ont accepté les OGM. Qu'est-ce qu'ils ont planté? À 88%, ils ont planté des plantes résistantes au glyphosate pour ne pas avoir à désherber. Et donc, en fait, ça a augmenté l'épandage des pesticides, des herbicides, puisque vous mettez un maïs résistant au glyphosate, vous balancez plein de glyphosate, comme ça vous n'avez pas à désherber. Et évidemment, donc c'est extrêmement toxique pour la biodiversité, et c'est pas du tout une solution à quoi que ce soit. Et en plus, les plantes deviennent résistantes, donc il y a plein d'articles dans Nature et Science qui montrent que toutes les plantes sauvages deviennent extrêmement rapidement résistantes au glyphosate. Donc en plus, c'est même plus utile, c'est comme les antibiotiques. Si vous mettez partout, tout le temps, ils sont plus efficaces quand vous avez besoin que quand il y a de la maladie. Donc les nouveaux OGM, globalement, ce n'est pas une solution, ça fait augmenter les pesticides. Il n'y a pas d'augmentation de rendement, on le voit dans les pays qui ont adopté les OGM. C'est un appauvrissement de la biodiversité puisqu'on plante beaucoup moins de cultures et beaucoup moins de génotypes de cultures. Et en plus, c'est une appropriation du vivant puisque c'est la seule façon de breveter le vivant. Vous pouvez déposer un brevet uniquement quand vous avez fait un OGM. En fait, c'est pour ça que c'est intéressant, les OGM. Et non seulement vous brevetez le gène que vous avez introduit, mais vous brevetez tout le fond génétique. Donc là, il y a par exemple un débat juridique en ce moment entre une firme qui a développé une tomate violette en introduisant un OGM qui l'a breveté, et qui attaque une boîte qui a développé une tomate violette par croisement conventionnel. Ils disent qu'ils l'ont fait par OGM,
Le problème, c'est que donc, avec la nouvelle technique, ils ont utilisé une nouvelle technique CRISPR-Cas9 qui est très précise. Et du coup, il n'y a aucun moyen, personne n'est capable de dire si eux ont volé l'OGM de... Parce que c'est un changement d'une paire de bases dans l'ADN qui pourrait très bien arriver normalement. Et donc, et en plus, ils protègent tout leur fonds génétique. C'est-à-dire que même les régions du génome qui sont ailleurs, qui ne sont pas concernées par les changements, par l'invention, sont aussi brevetées. Donc, en fait, ça va décourager tous les petits semenciers de développer des nouvelles variétés, puisqu'ils pourront être accusés, si ça ressemble de près ou de loin à un OGM, d'avoir volé l'OGM. Et il n'y a aucun moyen, finalement, de vérifier avec cette nouvelle technologie. Donc, c'est vraiment une appropriation du vivant et qui bloque l'innovation par les semenciers conventionnels. Et donc, quelles sont les vraies solutions? En fait, c'est assez simple, hein, il faut arrêter les causes. Il faut stopper le dérèglement climatique, il faut arrêter de répandre des pesticides, il faut arrêter les destructions de l'habitat, la surexploitation et les espèces envahissantes. Puisque ce qu'on veut maintenir, c'est les écosystèmes fonctionnels, c'est ça dont on a besoin. Et donc, il faut faire attention aussi, dans ce cadre-là, à l'effet Rubik's Cube, hein, de se dire, on va s'occuper du dérèglement climatique, ce qu'on fait beaucoup en ce moment, avec plus ou moins de succès, mais c'est comme si on s'occupait que d'une phase du Rubik's Cube. Mais il y a toutes les autres phases qui sont la biodiversité dont on a aussi absolument besoin. Et le problème, c'est qu'en résolvant une des phases, le dérèglement climatique, on peut avoir des conséquences délétères sur les autres phases. Il y a plein de solutions au dérèglement climatique qui sont catastrophiques pour la biodiversité. Et donc c'est tout à la fois qu'il faut arriver à résoudre, et pas seulement une des phases, le dérèglement climatique. Et donc il y a plein de chercheurs qui sont en train de faire, au contraire, hein, des solutions fondées sur la nature, fondées sur ce qu'on sait qui fonctionne, basées sur la biodiversité. Ça marchait très bien d'éviter des inondations avec des zones tampons, par exemple, de végétaliser pour éviter les érosions, etc. Donc c'est les seules solutions durables. Et aussi pour le stockage du carbone, des solutions fondées sur la nature. Donc, si ça vous intéresse, il y a un livre qui vient de sortir un peu sur toutes ces thématiques-là. Merci pour votre attention. Merci Tatiana. On va décider qu'il n'y a pas de questions sur le caractère factuel des deux exposés. On va aller... Non Jacques, tu ne vas pas avoir de questions. Nous savons qu'une question de Jacques Trenner est quelque chose qui peut entraîner des conséquences. Et donc tu reportes ta question pour après. On va aller prendre l'air, changer l'air dans cette pièce, prendre...